confiance au besoin d'Abisso, bande de Afrique pour télévision, maintenant mis pour la confiance de Pessa Abisso. La combattance de la presse congolaise, c'est en direct et à affaires étrangères dans la commune de la Bondé. Mais si quand nous avons participé à la cérémonie, à la prestation à Serma, il y a un inspecteur de la police nationale congolaise devant le procureur de la République, près les tribunaux, le grand instance, le Kinshasa Bondé. Il y a un bande de commandes d'Afrique pour télévision, Voilà. Et après sa fin de serment, les inspecteurs de la police nationale congolaise, je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, commissaire supérieur actuel, Atawa Nandou Jérémy. Thank you.
sécurité, décentralisation et affaires. Demande votre autorisation pour faire la lecture du programme et la cérémonie de séjour. À vos ordres, son Excellence. Sécurité, décentralisation et affaires quotidiennes. Monsieur l'honorable président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Monsieur le président, monsieur le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire, représentant du commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur l'inspecteur général adjoint du Fabricier, représentant de l'inspection générale du Fabricier. Monsieur l'auditeur général adjoint, représentant de l'auditeur général des forces armées. Monsieur le chef de la maison militaire ici représenté. Monsieur le chef de la mission composante MONUSCO ici représenté. Monsieur le directeur général de formation des écoles ici représenté. Monsieur le procureur de la République, près du tribunal des grandes instances de Kinshasa. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté. Monsieur le commandant de la 14e région militaire, ici représenté. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, ici représenté. Monsieur le représentant des organismes internationaux. Mesdames et messieurs les cadres de l'inspection générale de la police nationale congolaise, mesdames, messieurs, chers invités, à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. Avant toute chose, je rends grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons enseignés. Je saisis cette occasion pour rendre les hommages les plus différents au président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, qui ne cesse de ménager aucun effort pour que notre pays soit réellement un état de droit et que notre police soit professionnelle, respectueuse des droits de l'homme. Et des libertés, enfin, de procurer la paix et la tranquillité à notre paisible population, gage du développement d'un pays. Je suis heureux de prendre la parole à ces circonstances toutes particulières, celle de la prestation des serments des cadres de l'inspection générale de la police nationale congolaise devant le procureur de la République en qualité d'officier de police judiciaire. Cette cérémonie marque la fin d'un processus de renforcement des capacités technique du personnel de l'inspection générale, appelé à exécuter sur terrain la mission que la loi nous assigne. Je remercie très sincèrement Son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité,
décentralisation et à Fakitini, qui a facilité la tenue de cette cérémonie et a bien voulu la présider personnellement en dépit de ses multiples occupations, ainsi que tous les gouvernements pour son accompagnement au séjour. En effet, le législateur congolais a voulu confier à l'inspection générale la rédévalité de la police nationale congolaise, qui est un service public à caractère civil, qui est à l'écoute de la population. Conformément aux textes législatifs et réglementaires qui régissent la police nationale congolaise, pour réaliser ces missions prévues par la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, PNC en cible, à ses articles 48 et 49, l'inspection générale de la police nationale congolaise a besoin d'un personnel qualifié et spécialisé en matière de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation, revêtu de la qualité d'officier, de policier judiciaire à compétence générale. Je ne saurais finir mon mot sans m'adresser directement aux lauréats dont j'attends un travail de qualité et un résultat palpable. Faites preuve de la fermeté, intégrité et impartialité dans l'exercice de vos fonctions pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement et toute forme d'antivaleur et barrières policières qui ternissent l'image de notre police. Soyez donc le personnel modèle de la police qui travaille avec dévouement, loyauté, transparence et honnêteté. À Monsieur le procureur de la République pour le tribunal de grande instance, de Kinshasa Doumbé, à qui j'exprime ma profonde gratitude pour votre implication personnelle à travers une évaluation en différentes matières et aussi vos conseils ouverts et directs à l'endroit des lauréats pour accomplir un travail de qualité certaine. Je remercie infiniment nos partenaires techniques et financiers grâce à leur appui. Ce programme de renforcement des capacités a été rendu possible. Je cite l'Union européenne à travers l'Organisation internationale de migration, OIM, en Syrie, et la composante police de la MONUSCO, plus particulièrement le général Moudi Beret. Chers collègues, je te dis merci. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, honorable président de la Commission de Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres de qualité respectifs, le protocole observé. Bonne chance à tous les lauréats. Je vous remercie. Décentralisation et Affaires coutumières pour son allocution. Diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Commissaire général de la Police nationale congolaise, Monsieur l'Inspecteur général de la Police nationale congolaise, Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, chef de l'État, Monsieur le chef de la composante police MONUSCO, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs
les officiers généraux et officiers supérieurs des FRDC de la Police nationale congolaise, mesdames et messieurs cadres de l'inspection générale de la Police nationale congolaise, chers invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives, il est pour moi un motif de satisfaction d'assister à la cérémonie de prestation de serment de cadre de l'inspection générale de la police nationale congolaise en qualité d'officier de police judiciaire devant les procureurs de la République. En effet, l'inspection générale de la police nationale congolaise est appelée à jouer un rôle très important dans la réforme de la police, car la loi lui confie la mission de veiller à l'application stricte de lois et règlements de la République par le personnel de la police, de directives et instructions relatives au bon fonctionnement de celle-ci. Aujourd'hui, cette structure vient de bénéficier d'un renforcement de capacité du personnel technique qui devra exécuter sur le terrain la mission dévolue à l'inspection générale, à savoir le contrôle, l'audit, l'enquête et l'évaluation. Il était donc nécessaire et impérieux que les lauréats puissent remplir les conditions légales d'exercice de la qualité d'officier de police judiciaire. La prestation de serment de ce jour consacre la fin d'un cycle de formation que les heureux lauréats ont bénéficié avec l'appui technique, logistique et financier de nos partenaires, à savoir l'Union européenne à travers l'Organisation internationale de migration aussi, et la composante police de la MONUSCO, que je remercie sincèrement pour leur partenariat. Je tiens à rappeler aux nouveaux lauréats que l'efficacité de votre travail sur terrain renforcera la redevabilité de l'inspection générale de la police, et notre police pourra être républicaine, professionnelle et respectueuse des droits fondamentaux et libertés publiques, et cela dans le but de faciliter l'instauration d'un état de droit, prôné par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, à qui je rends à l'instant les hommages les plus différents. La police nationale congolaise, étant un de braves séculiers de l'État et au service de la République, je demande donc à Monsieur le Commissaire Général et à Monsieur l'Inspecteur Général de travailler en synergie et en collaboration étroite pour son bon fonctionnement et pour éviter toute entrave à la mission de l'une ou de l'autre structure, je voudrais dire. Aux heureux lauréats, vous venez de franchir l'étape essentielle qui vous restait pour accomplir valablement la mission de l'inspection générale sur le terrain. Je vous enjoins de travailler avec civisme et dévouement en mettant en avant la devise de votre structure qui est la fermeté, l'intégrité et l'impartialité. Faites preuve de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions pour que la police nationale congolaise soit effectivement professionnelle,
garante du respect des droits humains, de lois et règlements de la République. En tant qu'autorité des tutelles, je vous rassure, non seulement de mon appui permanent, mais aussi de tout le gouvernement dans l'accomplissement de votre mission au quotidien. Mesdames et messieurs, c'est par ce mot que je déclare ouverte la cérémonie de prestation des serments des inspecteurs de la police nationale congolaise que je félicite déjà et je vous remercie. Pepe Mundongo. Nto Mboma Freddy. Tumbula Mpechi Theodore. Ilumbu Meyai Bamita. Prestation de serment en qualité d'officier de police judiciaire. Mes très sincères félicitations. Chargé de la police judiciaire, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole respecté,
Après cette cérémonie, certes brève, l'occasion m'est donnée de pouvoir m'adresser aux impétrants, mes OPJ, pour les dernières directives qui sont en fait les rappels de certaines dispositions importantes de la loi. Mesdames et messieurs les OPJ, vous venez de prêter serment. Ce jour, vous venez d'être habilités à pouvoir exercer comme officier de police judiciaire. À ce titre, vous devez travailler comme OPJ avec intégrité, dévouement et loyauté. C'est ce que la République attend de vous. Vous êtes de l'inspection générale et que l'ordre, la discipline au sein de la police nationale congolaise repose sur le travail que vous êtes appelé à accomplir. Et je voudrais vous rappeler, comme je l'ai dit lors de votre formation, comme OPJ, vous exercez certes administrativement sous la responsabilité de votre hiérarchie de la police, mais comme OPJ, vous travaillez sous la direction du procureur de la République et sous la surveillance de Monsieur le procureur général près de la cour d'appel et sur le plan national sous l'autorité du procureur général près de la cour de cassation. Et à ce titre, le procureur de la République est votre autorité disciplinaire. Vous venez de prêter serment. Je voudrais vous rappeler également que vous avez prêté serment devant votre autorité disciplinaire et que l'habilitation que vous venez d'obtenir aujourd'hui n'est pas définitive. Elle peut vous être retirée à tout moment si vous vous montrez indigne de prester comme officier de police judiciaire. Je voudrais également en profiter, puisque vous serez des grands apports, vous allez porter main forte dans le rétablissement de la discipline au sein de la police de manière générale et plus particulièrement au niveau également de la police judiciaire. Donc, la République attend beaucoup de vous. Et les documents sur lesquels vous devez travailler comme OPJ, et je vous ai demandé de lire chaque jour, parce que c'est avec la maîtrise des textes qui régissent la profession que vous serez à même de pouvoir faire face aux différentes situations qui se présenteront devant vous. Et le premier document, c'est l'ordonnance du 3 juillet 1978 que vous devrez désormais considérer comme étant votre livre de chevet, parce que vous êtes appelé à maîtriser toutes les dispositions possibles. Tout a été dit tout au long de votre formation. Je ne peux qu'au jour d'aujourd'hui vous souhaiter bonne chance et vous confirmer ce que j'ai dit lors de la formation, que ma main reste étendue. Et là, il s'agit d'une main de collaboration. Vous voulez collaborer, travailler sous ma direction, je suis à votre disposition. Si vous n'êtes pas disposé à le faire, vous serez retiré également de ce corps dont vous faites désormais partie, le corps, le personnel judiciaire. Et pour terminer, vous avez remarqué avec nous
que le vice-premier ministre, le commissaire, l'inspecteur général et le commissaire général également vous ont fait honneur, nous, c'est-à-dire vous et moi, honneur d'être avec nous. Cela voudrait simplement dire que ceux qui sont habitués à jouer sur des tableaux lorsqu'ils portent des actes judiciaires, soit en se cachant derrière le procureur, soit en se cachant derrière les commandements, vous devrez savoir à dater d'aujourd'hui que l'officier du ministère public et les commandements font désormais un. Donc, vous qui venez vous cacher, sachez qu'il n'y a plus de cachette, puisque ni les commandements, ni le procureur de la République, ni l'officier du ministère public que je représente ne pourra donner abri à ceux qui croient que la qualité d'officier de police judiciaire au sein de la police leur donne ce pouvoir de travailler sous deux tableaux, mais en réalité, le pouvoir étant un, je vous rassure, et la présence des autorités de la police vous confirme, vous le confirme, que désormais, nous travaillerons ensemble et le temps du changement étant venu, vous avez intérêt, en entrant, à faire application à ce que vous aviez appris tout au long de la formation. Une fois de plus, mes très sincères félicitations. Alors, je vous souhaite bon vent. Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Messieurs le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, messieurs le représentant du commissaire général de la police nationale congolaise, messieurs le représentant de l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo, ici représenté, en général, messieurs l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, près de la cour militaire, ici représenté, mon général. Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, mon général. Monsieur le représentant du secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police nationale congolaise. Monsieur le directeur général des écoles de formation de la police nationale congolaise, ici représenté. Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance Kinshasa Kombé, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, messieurs les officiers généraux supérieurs et subalternes des FARDC et de la police nationale congolaise et de la police MONUSCO, mesdames et messieurs les cadres d'inspection générale de la police nationale congolaise, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Au nom du chef de la composante police MONUSCO, ici représenté, je prends la parole à son nom, en disant que la police MONUSCO est honorée et heureuse de partager ce moment solennel du couronnement de la formation des 77 inspecteurs de la police nationale congolaise et leur renvoi à l'exercice de leurs fonctions par l'autorité judiciaire compétente. Cela témoigne de l'excellence de la synergie d'action des institutions congolaises que je salue et aussi du partenariat privilégié entre les structures de contrôle, d'audit, d'enquête et d'évaluation qu'est l'inspection générale de la police nationale congolaise. Je salue la présence des hautes autorités judiciaires, administratives, militaires et policières, affirmant ainsi la volonté de l'État et du gouvernement congolais à accompagner l'inspection générale de la police nationale congolaise dans son rôle pour une police nationale républicaine, professionnelle, respectueuse des droits humains et efficace, efficiente et redevable. La cérémonie de ce jour, en tant que passage obligé des impétrants vers l'accomplissement de leur mission, permettra à chacun d'entre eux de jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la construction d'une police nationale hissée aux standards internationaux. L'engagement solennel
qu'il vous convient bientôt de prendre les oblige à être au-dessus de tout soupçon. Je les exhorte à mettre en application les meilleures pratiques requises, acquises, à être de fervents défenseurs des lois républicaines, gage de l'édification d'un véritable état de droit digne et prospère. Pour le bien des populations et de tous, qu'il me soit permis de leur adresser mes sincères félicitations et mes encouragements. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Messieurs les autorités en vos titres et qualités respectives, distingués invités, tout protocole observé, tout en réaffirmant l'engagement de la police MONUSCO aux côtés de toutes les structures de la police nationale congolaise et des réformes conformément à son mandat, je saisis l'occasion pour réitérer notre disponibilité et les accompagner dans le cadre de la stratégie de retrait de la MONUSCO après les actions fortes, lesquelles sont déclinées en plan opérationnel assorti d'activités à réaliser pour consolider les acquis, soutenir durablement la PNC et favoriser une sortie responsable de la MONUSCO. Pour relever ces défis, l'engagement de tous, qu'ils soient du gouvernement, de la police nationale congolaise, de l'équipe pays, de la police de la MONUSCO et de tous les partenaires techniques est un impératif. La police MONUSCO se tient et se tiendra toujours résolument aux côtés de la police nationale congolaise dans la mise en œuvre du programme d'action quinquennal PAC 2 qui reflète les aspirations profondes de la police à se développer pour remplir sa mission avec efficacité et professionnalisme et dont les actions sont reprises et renforcées dans son plan de transition et dans un programme conjoint avec le ministère de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires Coutumières, la République démocratique du Congo et avec le PNUD, la police MONUSCO, le Bureau conjoint des Nations Unies, l'Organisation des migrations internationales et l'ONUDC. Vive le partenariat UNPOL, police nationale congolaise, je vous remercie. Maître de Séa. Thank you.
Et nous sommes vraiment contents pour tout ce qui s'est passé et prêtes pour entrer dans les champs pour cette mission et dans mon environnement pour essayer de nous servir dont nous sommes prêts. Je tiens à remercier sincèrement l'inspecteur général, notre autorité, qui a tout fait, qui a mis tout en œuvre pour que ceci soit réalisé. Malgré vent et marée, il a tout fait. Il voit les résultats. Tout le monde est content. Quand ils m'ont laissé le choix, une bonne formation, un bon encadrement, ils sont contents. Devant le procureur de la République démocratique du Congo, de l'équipe ministre de l'Intérieur, derrière la scène, Azala Kiwana, vraiment, l'inspecteur général à la police, et puis Azala Kiwana, vraiment, va continuer sur la police de la République démocratique du Congo, va participer à qui n'a pas de question et à la scène. Nous allons connecter la prochaine chaîne de Rousseau, parce que c'est un coup de télévision, tout ça, pour finir par rapport à la forme de Bindo, la combattante de la presse congolaise, Madjani, nous a désigné que je prenne. Africa cool, et abena cool, ouais. Africa cool, abena cool, le quoi cool ma topi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils sont très rapide, ils achènent mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans à battre, et nous avons souscrité Bazoa. Donc, ils ont vraiment été au Balo Bakake, Bouka Lelo, Lamba Lelo, Lia Lelo. Donc, ils ont Kitoko, Nasepeli Nabino, Nasengi Nabatu Nyonso, pour souscrire, et belé, pour qu'on ait déçu. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozala Moana. Massivement. Africa cool. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Africa cool, ma félicitation. Et au moins, ma chaîne OESA impartiale. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.